Bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator. On va faire les présentations très vite fait. Jean-Mi, bien entendu, toujours à la moissonneuse. Enfin, plutôt, c'est sa femme, aujourd'hui il est en arrêt maladie. Il a chopé le rhume des foins, une longue histoire. Nous avons Gisèle au labourage, fidèle à son poste. Et bien entendu, René à l'ensemençage. Qu'est-ce qui travaille bien ce René? Et moi-même, j'étais en train de compter les pâquerettes à côté de ma petite cabane. Eh ouais, bah faut bien les compter, qui c'est qui va le faire sinon? Alors plus sérieusement, merci à vous tous pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo de Farming Simulator. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Merci pour tous vos pouces bleus. Ça me fait toujours chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de commentaires sous la vidéo, notamment pour me donner des conseils. Donc vraiment, merci à tous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais prendre mon petit 4x4 tranquillement. Oui, qu'est-ce qu'il est bien mon 4x4. Et puis si je vois qu'on atteint un nombre de pouces bleus faramineux, eh bien on refera un petit épisode et tout. On continuera ensemble. Ça fait plaisir. Attention, ouais, ça passe. Petite cascade pour un début de vidéo. Combien de pouces bleus pour cette cascade de qualité? Attends, bouge pas, je vais mettre ma carte. Nous, on va se diriger vers le magasin. Yes. Alors, je pense qu'à l'une... Oh, putain. Oh, la vache, mon vieux. Par contre, c'est tellement chaud, le contrôle. Je pense qu'à l'unanimité dans les commentaires, on m'a dit que c'était le bois qui rapportait le plus d'argent au début. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'acheter une petite tronçonneuse. Et éventuellement, nous allons couper du bois. On va se mettre en vue intérieure. Oh, comment que ça déchire. Regardez ça, là. Petit coup de frein à main. Oh, putain, c'est chaud, mon vieux. Voilà, on va partir par ici. Avec le 4x4, ça passe partout, tranquille. On va passer par les chemins. Je connais un raccourci. Alors, petite nouveauté également que je ne vous ai pas précisé. J'ai trouvé la touche du klaxon, c'est magnifique. Pousse-toi mon vieux alors. Voilà, on va aller au magasin tranquillement. On va s'acheter une petite tronçonneuse. Voilà, on va se garer là, nickel. Alors, bonsoir. Comment allez-vous? Tronçonneuse. Où est-ce qu'on va trouver une tronçonneuse? Ah bah ici. Ah, alors ils valent tous le même prix. Alors honnêtement, moi je m'y connais pas du tout dans les marques de tronçonneuses. Si vous vous y connaissez, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laquelle était la meilleure. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec moi dans les commentaires, je ne connais pas du tout le jeu. J'ai vu quelques messages quand même qui était pas très gentil, mais vraiment ça c'est une minorité. La plupart vous m'avez mis que des bons commentaires, que des conseils pour m'aider dans le jeu, donc vraiment vous, je vous remercie, vous êtes au top. Il y en a deux trois par contre, ils ont pas été super cool, mais bon, je pense que, eh ben vous savez quoi, moi je sais pas, mais j'aime bien la noire. La noire et jaune, je trouve qu'elle est bien. On va l'acheter. Oui, c'est bon ça. Pour parcourir les tronçonneuses, utiliser la molette. Ok, d'accord. Bon bah ça me va bien. Ma tronçonneuse. Alors également, j'ai recommencé une petite partie. Oui, parce que je vous explique vite fait, en fait j'ai foutu un tracteur dans l'eau. J'ai cru qu'il pouvait traverser la rivière. Bon bah visiblement il a pas aimé ma petite traversée. Où est-ce qu'elle est ma tronçonneuse? Est-ce qu'on a un... d'accord, ici tout va bien. Oh putain, il est plein. J'arrive. Attends, lui je vais le renvoyer. Voilà, ça dégage. Attends, on va aller vider la moissonneuse. Vite fait, voilà. Et après on va se mettre au bois. J'arrive, Jean-Mi. Enfin du moins sa femme. Il est en arrêt maladie, Jean-Mi. Voilà, on va se mettre là tranquillement. Voilà, vas-y. On va remplir tout ça bien comme il faut. On va stocker ça au silo juste à côté de chez nous pour éventuellement le revendre plus tard. Voilà, impeccable, il est plein. Nickel, allez vas-y, c'est parti. En avant pimpant, roulez jeunesse. Nous on va aller décharger ça tranquillement. Voilà, je vais bâcher, de toute façon on va pas décharger bien loin. Voilà, on s'arrête juste ici. Je sais même pas pourquoi j'ai bâché du coup. Ça servait pas à grand chose. Voilà, on va se mettre là. Ouh là 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 là. Ça passe. Des fois, je me fais peur, mon vieux, quand je contrôle ça. Allez, décharge. C'est parti. Voilà, yes. C'est bon, ça se décharge. Nickel. On va laisser le tracteur ici. Et du coup, on reprend notre 4x4. J'en étais où, moi? Alors, oui. Où est-ce qu'elle est. Bonsoir, mon petit monsieur. Eh ben, vous êtes bien joli, dites-moi. Où est-ce qu'elle est, notre tronçonneuse? Ce qui est bien avec les 4x4, c'est que tu passes partout. Même là, ça passe. Regardez ça. Regardez comment qu'il monte, mon vieux. Ouh là là, cette cascade, un truc de fou quoi. Je suis en train de regarder un tuto là pour trouver la tronçonneuse, un truc de fou. D'accord, je viens de trouver le bouton pour la tronçonneuse. Ah bah voilà, je vais voir si ça marche. Pivoter, d'accord. Ah ok, d'accord, on va peut-être pas abattre les arbres à côté de chez nous aussi. Bah si, tu me diras, ça fera de la place. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'attends, bouge pas. Voilà, je vais aller chercher mon tracteur. On va trouver un petit coin où il y a des arbres. Jean-Mi, est-ce qu'il a pas besoin que je le décharge? Non, il va finir son boulot. Alors aussi, on m'a dit dans les commentaires que les grosses lignes de paille qu'on voit par terre, en fait on peut les ramasser avec avec une... Je sais plus comment que ça s'appelle. Je sais plus. Vous me l'avez dit dans les commentaires. Une en... Attends, bouge pas, je vais regarder dans le magasin. Je crois que c'est une endaineuse. Je sais plus du tout. Alors s'il vous plaît, ne me tapez pas sur les doigts. C'est pas parce que je connais pas le nom des machines. Nous allons apprendre ensemble. Est-ce que ce serait pas une ensileuse? Non, c'est pas ça. Non, je vous dis ça parce que j'ai quand même eu quelques commentaires qui étaient assez méchants. Je veux dire, Jean-Mi, c'est pas parce que t'arrives à traire une vache sans tes mains que moi je sais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, en déneur. Je crois que c'était ça. On va pas l'acheter, mais on va le laisser de côté. Voilà, donc il a fini son travail. C'est impeccable. Voilà, on va se mettre juste à côté comme ça. Alors je pense qu'après, pour couper du bois, on va prendre justement ce tracteur.
Je pense qu'on va s'aider de ce tracteur pour justement charger le bois. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, toujours, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je lis tout le monde. Le problème, c'est que des fois, j'ai tellement de conseils sous la vidéo qu'au final, ça me fait perdre la boule. J'en oublie la moitié. Alors, je sais pas si j'en ai parlé, mais on m'a dit également que le train servait à exporter le bois. Donc, de toute façon, on ira voir ça un peu plus tard. Attends. Oh, putain. Oh, la vache. Doucement. Voilà, on va mettre ça ici. Voilà, yes, c'est bon. On décharge. Allez, let's go. C'est parfait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par ici. Voilà, ouais, par ici, ce sera pas mal. Moi, je dis que c'est bien. On va sortir la tronçonneuse et on va tenter de couper un arbre, mon vieux. C'est parti. Voilà, par contre, faut que je le coupe bien comme il faut. Voilà, yes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Attends, on va... Voilà, on va faire comme ça. On va couper toutes les branches qui servent pas à grand chose. Voilà, impeccable. Alors je sais que je pourrais acheter une grosse machine pour couper le bois plus vite. Mais je crois qu'on n'a pas trop la thune qu'il faut. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire des petits bouts de bois, par exemple? Voilà, si je fais ça, ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Yes! Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger tout ça dans la remorque. Et je pense qu'on va essayer d'aller charger ça au train. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Franchement, là, j'expérimente, hein. J'essaye de faire un petit peu avec les conseils que j'ai eu dans les commentaires. Ça va pas être évident. Alors, attends, voilà. Comment que ça se passe, maintenant? Si je prends ce bout de bois, par exemple. Voilà, je fais ça. Je le mets dans la remorque. Ouais, ça a l'air de se passer comme ça, je pense. L'objet est trop lourd. Oh, bah, attends, mon vieux. Tu rigoles? Alors, on est bûcheron, on ne l'est pas, hein. Eh, ah, j'en ai connu, moi, des bûcherons, mon vieux. Eh ouais, il te portait un chêne comme ça, à bout de bras. Faut pas me dire, c'est pas trop lourd ça quand même. Bah oui, alors. Il est brave, il est vaillant. Allez, fous ça là-dedans. Voilà, c'est parfait. Attends, par contre là, je risque de le perdre là, je pense. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Nickel. Voilà, on met ça là-dedans. C'est parfait. On va prendre le dernier. À mon avis, il va falloir que je le coupe en deux. Va falloir que je le coupe en deux celui-là. Attends, bougez pas. On va faire ça. Voilà, regarde ça. Impeccable. Alors. Est-ce que c'est trop lourd? Non, ça passe. Un grand gaillard comme lui. Alors, bien sûr. Voilà, nickel. Alors maintenant, ce qui va se passer? Putain, mon vieux, je suis chargé comme une bourrique. Voilà, on va prendre un petit raccourci. Vous inquiétez pas, tranquille, tranquille. J'ai perdu un tronc d'arbre. Je vais le chercher, je vais le chercher. Ça va, je vais le chercher. Il est là, voilà. Voilà, il est là. Pas de panique. On le met dans la remorque. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'il va falloir emmener tout ça? Je pense qu'on va aller à la gare et on va aller livrer notre bois en train. Ah ouais, j'ai envie de tester, pourquoi pas. Oula, 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 ça passe, ça passe, ça passe. J'ai rien perdu? Non, c'est bon, j'ai rien perdu, ça passe. Regardez, on est presque arrivé. C'est par ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur la route. Attends, putain, je vois ma remorque derrière dans le rétro, mon vieux, elle se balade. C'est un truc de malade. Voilà, on est presque arrivé, ça va être par ici. Alors, voilà, yes, c'est par ici. Donc, attends, le truc, c'est que ça va être sur quelle ligne? Alors, attends, putain, va falloir, c'est pas vrai, ça. Va falloir que je bouge le train. Voilà, c'est celui-là qu'il faut bouger. On va le bouger un petit peu, celui-là. Voilà. Vas-y, bouge-moi ça, bouge-moi ça. Est-ce qu'on a une vue intérieure du train? Ah ouais, putain. Mais c'est excellent, quoi. C'est trop bien fait. Voilà. Stop! Arrête-toi. Et puis, continue le bordel. Hein. On va passer là. Tranquille. Voilà. Oh putain, mon vieux, j'ai ma remorque derrière, elle se balade, hein. Voilà, on va se caler par ici. Juste ici. C'est nickel. Yes. Alors, comment que ça se passe? Vous pouvez conduire des trains comme n'importe quel autre véhicule. Ici, vous pouvez faire passer les marchandises d'un train à l'autre à l'aide de la grue pour les rondins de bois ou en chargeant, déchargeant les récoltes via l'entrepôt. Ah ouais, ok, d'accord. Mais j'ai pas de grue, moi. Bah, c'est pas grave, je vais les charger à la main. Est-ce que ça marche si je les charge comme ça, là? Bon, j'ai l'impression que visiblement, ça marchera pas comme ça. Faut la grue et tout, c'est un truc de fou. J'abandonne l'idée du train. Ça marchera pas, les gens. Et puis, c'est pas avec mes petites branches que je vais faire grand-chose. On va mettre ça dans le tracteur et on va les livrer nous-mêmes. De toute façon, on n'est pas loin, là. Allez, vas-y. Roulez pimpant, c'est parti. On va tenter de reprendre la route. Sans que ça se casse la gueule derrière. Nickel, c'est bon, tout est là, impeccable. Et bien du coup, je pense qu'on est presque arrivé. Ça doit se trouver par là, c'est à côté du numéro 10. Donc à côté de Stanton Sow Mill. Ok, putain, c'est quoi par ici? Ça a l'air cool, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, ça? Putain, il m'a lancé une recherche Google, mon vieux. C'est quoi par ici? Ça a l'air cool, je connais pas du tout. D'accord. Pourtant, j'ai rien demandé. Ah, regardez, il y a encore des trucs ici. Voilà, ça doit être là-bas, la Syrie. Voilà, tranquille, on va se mettre en vue comme ça. On va passer par ici. Et normalement, ça doit être ici qu'on vend le bois. Voilà. Point de vente du bois. Vous pouvez vendre vos rondins de bois ici. Les rondins longs, droits et ébranchés sont ceux qui vous rapportent le plus. Bon, bah ça va. Il y en a quand même qui sont ébranchés. Il y en a un autre qui est pas trop ébranché. Voilà. Nickel. Alors,
Ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. 76 balles que j'ai gagné, d'accord. Alors attends, est-ce qu'il y a moyen de décharger là? Voilà, décharge, décharge, décharge. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, yes. Allez, allez. Je vais l'aider à tomber. Vas-y. Voilà, regardez ça, regardez ça. Ah putain, il veut pas tomber le gros. Voilà, un petit, ça c'est bon. Le gros, à mon avis, il va rapporter. Attendez, bougez pas. Je vais aller l'aider. Ah putain, il veut pas sortir. Voilà, celui-là, à mon avis, il va rapporter. Ah ouais. Ah, ça rapporte bien quand même, 207 balles. Voilà, celui-là, 290 balles. Bon, celui-là, je pense que c'est celui qui va me rapporter le moins. Sachant qu'il est pas ébranché. Mais c'est pas grave, il va me rapporter combien? 42 balles. Ça va, c'est correct, hein. Ah ouais, ok, franchement, c'est cool. Ici, c'est quoi? On peut pêcher ici? Arrête tes conneries, jure. Bassin de flottage. Si vous voulez vendre du bois, vous pouvez simplement le décharger dans le bassin de flottage. Les grumes les plus droites et longues sont celles qui vous rapportent le plus. D'accord. On va rentrer à la ferme, tranquille. Oh là là, comment qu'il galère le tracteur dans les montées, mon vieux. Je pense que celui-là, par la suite, on va le vendre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on le vende. Et puis, on en achètera un autre plus performant par la suite. Ah, parce qu'il galère dans la côte, là. C'est un truc de malade, hein. Je vois la maison d'ici, regardez. Allez, vas-y, ça passe. On tente. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Oh putain, c'est chaud, mon vieux, des fois. Oui, nickel. Voilà, on va passer par ici. Oh putain, c'est chaud. Oh, comment que c'est chaud, mon vieux. Je passe carrément sur les rails. Alors également, un truc qu'on m'a dit. C'est vrai. Ça, j'allais oublier. C'est que on peut augmenter le temps. Voilà, ça se passe là. On va l'augmenter à fond pour voir. Alors, est-ce que ça passe? Ah oui, ça va beaucoup plus vite comme ça. Je pense que les cultures vont pousser un peu plus vite comme ça. Ça va les booster. Alors, ce qu'on va faire également pour gagner de l'argent, on va se mettre juste ici. Oh putain, voilà. On va se mettre là. On va charger. Allez, vas-y, fais péter. Oh, comment qu'elle se remplit vite, la remorque? Wow. Ah bah, je suis plein. On va mettre la bâche et on va aller vendre ça. Je pense qu'on va se faire pas mal d'argent pour le coup. Voilà, c'est par ici. Lui, j'y coupe la route. Je le connais, c'est un collègue. Je crois que c'est par là. Hop, 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 hop. C'est ici. On va monter là-dessus. Impeccable. Nickel. On regarde dans le rétro si la remorque, elle passe bien. On débâche et on décharge. Oh, regardez ça, l'argent qui monte. Ah ouais, franchement, on a bien récolté là, hein. Presque 5000 balles. Bon les gens, écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo sur Farming Simulator. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires un petit peu comment qu'on pourrait optimiser tout ça. J'ai de très grands projets. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye.